Hello à tous, c'est Louisa pour Garden Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Mélanie et Pierre-Alexandre de chez Jobteaser et nous allons parler de leur campagne de recrutement puisqu'ils sont à la recherche de commerciaux. Quelles sont les opportunités, comment réussir son entretien, ils vont tout vous dire. Mais chez vous, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer vos DM sur notre Insta en tapant jobteaser_fr. On y répondra en direct tout au long de l'émission, on est bien sur Unlocked. Et on passe tout de suite au pitch midat. Bonjour Pierre-Alexandre. Bonjour, bonjour Lisa. Mélanie. Bonjour. Ça va? Bah écoute, très bien, et toi? Mais écoute, ça va bien. Alors Pierre-Alexandre, tu es Sales Team Leader. Exactement. C'est bien ça. Oui. Et aujourd'hui, tu es venu avec une collègue que tu connais bien, qui est Mélanie. Et Mélanie, tu es Sales Manager. Exactement. Alors Mélanie, tu sais ce qui t'attend? Le pitch midat. Le pitch midat. En une minute, tu vas devoir nous pitcher Jobteaser. Ok. Tu es prête? Ouais, allez, c'est parti. C'est parti. Donc, Jobteaser, on est leader du recrutement sur les jeunes talents en France et progressivement en Europe. Alors aujourd'hui, on va beaucoup parler de la France. Et pourquoi on est leader du recrutement? C'est parce qu'on est devenu la plateforme carrière de plus de 650 écoles et universités. Et en fait, notre business model depuis 2013, c'est qu'on équipe les sites carrières des écoles et des universités, donc dans toute la France et en Europe. Donc en France, c'est 350 écoles. Et du coup, en ayant ces petites plateformes-là, on propose aux entreprises, de diffuser du contenu pour développer sa marque employeur, de mettre en avant des offres pour recruter des stagiaires alternants, CDD, CDI. Et trois, de créer du contenu, puisqu'historiquement, on a un studio production vidéo, notamment avec toi, Louisa. Et donc voilà, on a vraiment cet écosystème avec des entreprises, les écoles et puis les étudiants, les jeunes diplômés dedans. Est-ce que tu penses que tu as fait moins d'une minute? Je pense que j'ai fait 55 secondes. Ah, un petit peu plus, mais... Bien joué, bien joué. Alors aujourd'hui, vous êtes à la recherche de collaborateurs pour accompagner vos clients sur notamment la vente de vos nouveaux produits. Alors on va voir les profils que vous recherchez, mais surtout ce que vous proposez aux jeunes arrivants. Exactement. On voit ça tout de suite. Alors quels sont les profils que vous recherchez? Est-ce que vous êtes dans des écoles, des universités spécifiques? Concrètement, pas plus que ça. Alors effectivement, on se rend compte que c'est principalement des profils plutôt école de commerce qu'on recrute. Après, on est assez ouvert par rapport à ça. On va dire qu'on est plutôt sur des profils que sur des formations spécifiquement. Voilà, mais non, oui, c'est plutôt du profil. Donc on recherche des gens qui sont vachement dynamiques, qui ont un profil assez entrepreneur. Il faut aussi que ce soit des gens assez autonomes, idéalement qui aient une petite expérience sales avant. Des gens qui ont la capacité aussi à se remettre un petit peu en question. Et c'est plutôt des profils fin d'études que vous recherchez? Ouais. Oui, plutôt fin d'études, oui. Profil fin d'études, mais oui, en tout cas, on prône vraiment la diversité. Dans l'équipe, on a des personnes qui viennent de finance, des personnes qui ont fait du droit. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur. Évidemment, le but, c'est pas qu'on ait que des personnes d'école de commerce, mais ça reste en tout cas la majorité des profils qu'on a. Ouais, quels sont les postes qui sont ouverts aujourd'hui? Après, c'est profil sales d'une manière générale. Après, on est segmenté par taille de compte et typologie de portefeuille. Mais globalement, on va rechercher deux grandes typologies de profils. Donc plutôt des profils chasse, effectivement. Donc des biz dev. Donc c'est plutôt notre profil à nous avec Mélanie, historiquement. Des gens qui vont effectivement faire une partie de prospection, développer un business, développer un portefeuille. Et puis on va rechercher aussi plutôt une partie compte manager. Où là, ça va être des profils qui vont faire grandir les portefeuilles existants, développer des relations avec leurs clients, effectivement, faire grandir ces portefeuilles-là. Quoi. Donc, les deux typologies de profils, pardon, chasseurs et élevage, entre guillemets. Quoi. Et voilà. Pour compléter, on cherche sur Paris, on cherche sur Lyon et aussi sur Nantes, puisqu'on ouvre deux nouveaux bureaux. Voilà, il y a ces trois localisations-là. Tu l'as dit tout à l'heure, un des prérequis, c'est d'avoir une première expérience. Il y a d'autres prérequis? Parler l'anglais, tu m'as dit. Oui, idéalement. Alors, même si on fait un focus France aujourd'hui, on travaille dans un environnement très international. C'est aussi le développement européen de Jobteaser qui explique cela. Donc, il faut effectivement être à l'aise en anglais. Après, est-ce que c'est un prérequis absolu pour l'équipe France? Peut-être pas encore à date. Oui, c'est mieux pour le One Team.
Mais sinon, ça sera plus sur des soft skills. Première expérience, c'est sûr que c'est vraiment important puisque au moins l'onboarding sera encore plus rapide. Après, c'est du soft skills, c'est qu'on recherche vraiment des personnes qui sont entrepreneurs, qui sont enthousiastes, qui vont vouloir s'engager dans un projet. Et ça, c'est des choses qu'on teste vraiment en entretien. Et alors, comment se passe le process d'embauche, justement ? Alors, il y a trois, voire quatre étapes, voire même plus potentiellement sur certains postes. En gros, il y a un premier entretien, c'est assez classique, hein, un premier entretien RH téléphonique dans un premier temps, ce qu'on appelle le screening. Voilà. Okay. Et après, on va rencontrer le candidat sur un premier entretien où ça sera plutôt autour de la personnalité, le fit aussi, le pitch un peu de son parcours personnel. Et après, il y a un troisième entretien qui là sera vraiment une mise en situation. Donc on appelle ça la simulation. L'idée, c'est de tester en fait les capacités commerciales d'un candidat au travers d'une simulation. Donc en fait, on va le mettre dans la peau d'un sales job seeker tout simplement. Nous, on joue le client et on voit un peu comment il se débrouille, s'il arrive à poser bien les questions, s'il arrive à cadrer un petit peu son entretien et surtout dégager les enjeux du client. Parce qu'évidemment, être sales en premier lieu, c'est répondre à un enjeu client. Donc l'idée, c'est d'arriver à tester un peu ces capacités-là, à dégager l'enjeu et puis après, effectivement, potentiellement, les ref calls, etc. Enfin, on va prendre un peu des références à droite à gauche. Et potentiellement un dernier entretien plutôt de fit, plutôt avec le top management, pour s'assurer que voilà, y a évidemment un fit par rapport aux valeurs de Job Teaser qui sont très, très fortes chez nous. Même si tout le monde doit dire ça, je présume que tu dois en entendre beaucoup, des gens qui parlent de valeurs. Mais c'est vrai que chez nous, pour le coup, c'est quelque chose qu'on teste beaucoup. Alors à tous les stades des entretiens, mais effectivement aussi sur ce dernier entretien, plutôt avec le top management. Ouais. Mélanie, vous appelez les anciens employeurs durant ces phases de recrutement ? Tout à fait. On appelle trois anciens employeurs. Donc c'est vraiment le candidat, évidemment, qui nous oriente. Mais voilà, aussi bien pour le candidat que pour nous. On veut vraiment s'assurer en termes de skills et surtout, encore une fois, en termes de fit. Le but, c'est que nous, on trouve les bonnes personnes et surtout que les candidats correspondent complètement à ce qu'on recherche pour pas qu'on se trompe aussi. Alors, on va prendre une première question qu'on vient de recevoir de notre Instagram de Nora qui vous demande à partir de quand pouvons-nous postuler ? À partir de quand dans l'année ? Oui. Est-ce que les offres sont déjà disponibles en ligne ? Tout de suite. Nous, on recrute, enfin, de toute façon, la croissance de Job Teaser est exponentielle. Vraiment, on recrute vraiment toute l'année. Si on a un top profil qui postule, même si on n'a pas forcément de poste ouvert, on s'organise toujours. Tout de suite, on peut postuler aussi bien sur de la chasse que sur de le camp management. Oui, peut-être une précision, Louisa. On a moins de saisonnalité dans le sens où, que certaines autres entreprises, parce qu'on n'a pas, enfin, on recrute pas de stagiaires à date sur les sales en fait. Donc on n'a pas de saisonnalité en fait. Dès qu'on a un profil avec qui c'est le coup de foudre, on prend, il n'y a pas de souci. Et après, on se trouvera toujours de toute façon de quoi faire. Comme le disait Mélanie, le contexte d'hypercroissance fait que de toute façon, on aura toujours de la place pour un super profil. Mais ça implique aussi de notre côté une grande exigence. Donc à partir du moment effectivement où toutes les cases sont cochées, même si on ne met pas les gens dans les cases, mais voilà, on se dit go, on y va. Et là, on trouvera de la place, il n'y a pas de souci. De toute façon, on a tellement à faire sur le marché, même français. Complètement. Il n'y a jamais assez de monde. Alors, comment se passe le process d'embauche ? Enfin, pas d'embauche, mais plutôt d'intégration, l'onboarding. Est-ce qu'il est spécifique ? Alors oui, il est spécifique. On a vraiment bossé là-dessus parce que c'est hyper important aussi bien pour nous que pour le collaborateur. Généralement, en plus, maintenant, ils arrivent par promo, souvent. Il y a tout un tas de petits points en interne avec son management, avec les autres équipes aussi, pour bien comprendre l'entreprise et les différents produits qu'on propose. Après, il y a toute une partie simulation où, en fait, on va faire, comme on fait en entretien, des simulations de rendez-vous, soit nouveaux clients, soit clients existants. Donc, il y en a 5. Le but, c'est qu'en tout cas, ils soient bien à l'aise avec ça. On a même un système de buddies. Donc, c'est-à-dire qu'un nouveau collaborateur a toujours un buddies dans l'équipe commerciale qui va l'accompagner. Ça va être un peu son grand frère pour lui poser peut-être des questions qu'il n'ose pas forcément poser au manager ça. Et puis, pour se rassurer et vraiment ce suivi un peu quotidien, un peu plus aussi sympa et friendly qu'il peut avoir. Et puis après, go. De toute façon, nous, on est vraiment convaincus qu'il y a un moment donné où il faut y aller. C'est pas grave, on se trompe jamais vraiment. Donc après, le but, c'est que au bout de 2-3 semaines, les personnes qui intègrent les équipes soient sur le terrain et puis puissent progresser comme ça. De toute façon, on est derrière eux, il y a toujours des relais avec eux.
Ouais, de toute façon, il y a un vrai accompagnement à ce niveau-là. Enfin, on ne les lâche pas du tout dans la nature. C'est pour ça, comme je te disais, on aime bien avoir une première expérience sales, idéalement, mais c'est surtout des profils qu'on recherche. Typiquement, moi, je sors du conseil, je ne connaissais pas du tout le métier de sales. J'ai été très accompagné par Mélanie, du coup, qui était ma manager quand je suis arrivé. Et voilà, et après, l'idée, c'est de monter en compétence assez rapide, une montée en puissance assez rapide. Il y a quand même beaucoup de relais managériaux entre les buddies, le middle management, même le top management qui est quand même très, très présent et très disponible. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, on les lâche un peu dans le bain rapidement malgré tout, parce qu'on considère en tout cas que c'est super important de très vite en fait se faire aux objections clients. Enfin, on est quand même dans un secteur qui est assez concurrentiel, hein, clairement. Donc il faut être armé aussi à ça, et il n'y a rien de mieux de toute façon que le terrain. Et puis après, voilà, ils se lancent, et puis après, il y a des points au bout d'un mois, au bout de deux mois, au bout de trois mois. Il y a toujours beaucoup d'apprentissage au début. Le but, c'est qu'après, on continue d'accompagner les collaborateurs pour qu'ils deviennent plus seniors et encore plus seniors et plus autonomes, etc., etc. Bah là, par exemple, on a une petite promo de trois personnes qui sont arrivées il y a deux semaines, là, et là, ils commencent leur phase de simulation. Donc là, pendant toute la semaine, ils vont être mis en situation. Et se faire pas mal de simu, effectivement. Ouais. Exactement. Et c'est un super apprentissage. Et l'idée, c'est que d'ici, si tout se passe bien, dans 10 jours, voire 2 semaines, ils soient autonomes déjà et en rendez-vous. Quoi. Vous êtes tous les deux managers de plusieurs personnes. Comment est-ce que vous les accompagnez et quelles sont, par exemple, les missions que vous leur confiez dès qu'ils arrivent dans votre équipe? En effet, alors comment on les accompagne? Donc nous, on a un système de one-to-one, en tout cas par semaine. Le but, c'est que lors d'un one-to-one, on parle pas que de chiffres. On essaie vachement de les faire monter en compétences aussi sur des sujets même parfois un peu conceptuels, sur les RH, sur ce qu'attendent les clients en général. Enfin voilà, on essaie de toujours faire une grosse partie du one-to-one là-dessus. Donc déjà, on va les faire progresser sur leurs soft skills, sur les techniques de vente, etc. Et après, progressivement, en fait, surtout nous dans nos équipes, en fait, quand une personne de l'équipe va nous dire « j'ai une idée, je pense qu'en termes de data, on aurait besoin de telle ou telle chose. » Et bien, dans ce cas-là, on leur dit « Ok, super idée, c'est toi qui prends le sujet. » Et dans ce cas-là, nous qui connaissons bien les organigrammes, tu vas voir Cyril de la data, tu fais un point avec lui, le process, c'est ça. Là, la semaine dernière, on a Sabine, du coup, de notre équipe, qui nous disait « Jérémy Labry, qui est vraiment un expert chez nous, pourrait vraiment nous apporter sur des skills commerciales. » On lui a dit fais un point avec Jérémy Labry, propose-lui deux types de formations qui pourraient ensuite être récupérées sur peut-être même d'autres équipes de la boîte. Donc elle est allée le voir et elle nous a fait une proposition la vendredi de formation. Et du coup, c'est elle qui validait ce projet-là. Donc le but, c'est que, évidemment, nous, notre but numéro un, c'est de faire progresser nos sales sur le sales, sur leurs clients, sur leurs tâches primordiales. Et après, en fait, le plus possible, de les faire monter en compétence sur des choses qui les intéressent. C'est pas forcément nous qui allons dire, tiens, lui, on va lui faire bosser sur un projet vidéo, par exemple. Ça va être plutôt après, nous, ce qu'on va détecter de chacun pour après évoluer sur des sujets intéressants. Ouais, et c'est pour ça que ça recoupe ce qu'on disait sur le fait de chercher des profils assez entrepreneurs, parce que, comme dit Mélanie, l'idée, c'est de leur faire un peu un cadre de formation et d'émancipation commerciale, évidemment, mais après, il y a plein de sujets. Enfin, c'est aussi le kiff, entre guillemets, d'être dans une boîte qui est en hyper-croissance, c'est qu'en fait, il y a des problématiques qui apparaissent tout le temps, des nouvelles problématiques qui apparaissent tout le temps, donc même nous, en tant que manager, en toute humilité, on n'a pas la science infuse sur tout, donc c'est aussi à eux de prendre la main sur des trucs, et on dit, go, vas-y, en fait, si on a une reco assez intéressante, effectivement, on échange, et après, ils sont un peu honneur d'un sujet, donc c'est comme ça que ça se passe, effectivement. Ça tombe bien que tu dis ça, parce qu'on a une nouvelle question de Marion, qui vous demande à tous les deux, quels sont vos plus gros challenges au quotidien? Il y en a beaucoup, des challenges au quotidien. Alors plutôt, pas nos challenges à nous en tant que manager, plutôt en tant que sales chez nous, c'est le chiffre, hein, déjà. Challenge numéro un, ça c'est sûr, parce qu'on reste des sales. L'hypercroissance aussi fait que on en demande aussi beaucoup à nos sales, hein, dans une super ambiance. Et l'idée, c'est de les accompagner pour qu'ils progressent. Mais effectivement, le challenge numéro un, déjà, c'est le chiffre, ça c'est sûr. Moi, je dirais l'optimisation de son temps.
Ouais. On en a parlé pas c'est mal vrai. La semaine dernière, en fait, et encore plus quand les sales prennent d'autres sujets. Ouais. Voilà, une semaine, parfois, c'est un peu court pour nous, parce qu'on est dans un contexte d'hypercroissance, avec plein de nouvelles thématiques, des nouveaux produits, on en parlera peut-être. Mais du coup, c'est voilà, dans ma semaine, comment je fais pour avoir des temps pour réfléchir, des temps pour phoner, des temps pour préparer mes rendez-vous, pour faire mes rendez-vous, pour bien suivre mes rendez-vous, préparer des statistiques, etc. Je pense que le challenge numéro un du sales chez Jobteaser, c'est vraiment d'optimiser son temps pour en fait bah voilà tout simplement surfer après sur sur la vague comme on a pu le faire puisque bah voilà on sait où on va, on est serein. Donc ça c'est un vrai challenge et ça permet aussi beaucoup d'apprendre sur soi-même. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc l'organisation exactement. C'est, en fait c'est passionnant. Moi je connaissais pas du tout le boulot de commercial avant de le faire quoi. D'ailleurs, c'est paradoxal, on sort d'école de commerce, mais le métier de commercial en tant que tel, je pense qu'il est assez. Il n'est pas forcément perçu de manière ultra quali par plein de gens, à tort en fait, hein, parce qu'il est ultra complet. Je trouve qu'il faut arriver à avoir cette élasticité aussi pour dire là, je fais du très opérationnel, et puis d'un coup, il faut que je prenne beaucoup de hauteur de vue pour régler un sujet plus strat ou autre. En fait, c'est ultra clé l'organisation, mais il faut arriver effectivement à toujours switcher entre les deux. Et ça demande une implication, ça demande une finesse, une analyse aussi, une capacité d'analyse. Il n'y a pas que de la soft skills quoi, chez le sales, hein, clairement pas. Et puis, on essaie de le faire de manière la plus qualitative possible aussi. Quoi. J'aime bien quand je vois que les sales de nos équipes se creusent aussi un peu la tête pour mettre en place une technique d'approche un peu différente ou un accompagnement un peu différent. Enfin, effectivement, on arrive à prendre cette posture conseil avec nos clients, c'est comme ça qu'on y arrive aujourd'hui. Je pense que ça explique aussi la raison pour laquelle on est en hypercroissance aujourd'hui. Donc voilà, c'est le challenge, effectivement, cette organisation et puis arriver à switcher de sujets très opérationnels, très strat d'un coup. Et optimiser toutes ces journées. Justement, en tant qu'expert, vous allez pouvoir nous donner vos petits conseils pour réussir l'entretien chez Jobteaser. On voit ça dans Tips, tout bien top. Alors, vous l'avez dit depuis le début, c'est avant tout les soft skills qui priment, esprit d'entrepreneur, esprit critique. Mais vous m'avez aussi parlé des hard skills à venir, c'est-à-dire contrôler, savoir analyser les données. Oui, effectivement, ça c'est clé. Déjà sur la partie data, enfin, data c'est un bien grand mot, mais malgré tout, il faut être à l'aise avec ça aussi, parce qu'aujourd'hui, on va demander à un sales d'avoir une vraie capacité de... Une capacité analytique. Ouais, tout simplement en fait. C'est-à-dire qu'on va l'accompagner, lui donner un portefeuille pour qu'il le fasse grandir. Mais il y a des problématiques par secteur d'activité, parce que ça c'est une chance aussi, d'ailleurs je le précise, on n'est pas sectorisé par secteur d'activité chez Jobteaser. Ça c'est important aussi pour nos spectateurs. Mais effectivement, on n'est pas sectorisé. Donc en fait, chaque secteur a une approche un peu différente, a des problématiques différentes, a des volumétries différentes. Donc il faut arriver aussi à avoir cette capacité d'analyse sur son propre portefeuille. Il faut aussi savoir où chercher, quand chercher, comment. Donc ça, aujourd'hui, on est très accompagné parce qu'on a ce qu'on appelle un département de sales efficiency. Donc ce sont des pros de la data qui effectivement nous aident en fait à structurer le marché et savoir comment faire, où aller chercher, avec quels outils, enfin se positionner aussi par rapport à la concurrence. Mais il faut être déjà soi-même assez à l'aise avec ça, assez à l'aise avec son CRM, assez à l'aise aussi avec les extracts ou autres pour... En fait, aider à se piloter soi-même en fait, son activité, ça c'est clé en fait. Hein. On ne demande pas juste de prendre son téléphone, on demande aussi d'avoir une stratégie derrière ça. Et ça passe forcément par l'analyse un peu de son portefeuille, de son marché, de sa data. Quoi. Mélanie, il y a 4 valeurs chez Jobteaser, c'est ça? Oui, il y a 4 valeurs chez Jobteaser, c'est ce qu'on appelle le HIT. Donc la première, c'est l'humilité. Voilà, on veut vraiment des personnes, d'ailleurs on le creuse vachement en entretien, qui savent se remettre en question. Donc tips to be on top, bien avoir travaillé sur ses précédentes expériences pour prendre une hauteur de vue par rapport à ça, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux, avec le recul, qu'est-ce que me disait mon manager de moi, qu'est-ce que j'en pensais, etc. Donc vraiment cette capacité de remise en question. Il y a l'engagement, de toute façon, alors ça c'est vraiment à toutes les teintes. Chez Jobteaser, je pense que s'il venait dans les équipes, il verrait qu'on est à fond pour la mission, on adore cette boîte, on a envie de l'emmener hyper loin. Mais du coup, ça demande un sacré engagement, même parfois émotionnel, qu'on peut avoir. Ensuite, il y a l'agilité,
Comme on grossit hyper vite, on se réorganise, on essaye de faire toujours en sorte que les personnes soient à la bonne place, mais du coup, des fois, il y a des changements. Ça peut être des changements de manager, ça peut être des changements de portefeuille, ça peut être des changements d'organisation, des changements d'outils, etc. Donc, il faut être hyper agile et avoir vraiment confiance dans la boîte pour se laisser porter. Et puis, enfin, c'est l'enthousiasme. Donc le ça vraiment, enthousiasme, voilà, ouais. Voilà, je pense que ça vraiment, surtout nous en tout cas, on est très attachés à ça. Voilà, encore une fois, c'est un gros projet, il faut vraiment avoir foi en soi et en ça et être enthousiaste. On a beaucoup de clients qui nous le disent, que voilà, on est convaincus, ils ont envie de nous suivre et ça c'est ce qu'on cherche chez DCL. Pouvez-vous nous donner un petit preview de vos entretiens d'embauche? Quelles sont les questions que vous posez, que vous aimez poser? Bah après il y a des... Bon, ça dépend, on essaie quand même vraiment de le faire de manière adaptée à chaque personne et personnalité qu'on voit, parce que l'idée c'est toujours qu'on arrive à rester un peu, tester quelque part ces valeurs-là. Voilà, donc il y a des candidats qui vont se mettre en avant sur certaines choses, donc on va creuser un peu le reste, entre guillemets. Voilà, après dans des questions assez classiques, typiquement, quelle place tu as dans ton groupe de potes, ça c'est un truc qu'on pose assez régulièrement. Moi j'aime bien, l'enthousiasme, j'aime bien aussi creuser les difficultés. Enfin, je préfère, de toute façon, je considère moi personnellement qu'un entretien, c'est juste, est-ce que ça match en fait entre nous, mais dans les deux sens. C'est-à-dire que je préfère qu'il y ait quelqu'un en face de moi qui soit dans le vrai, quoi, qui me dise vraiment ses attentes, ce qu'il veut, là où il s'est planté, là où il est bon, là où il est moins bon, et qu'on creuse un peu sur là où il est moins bon. Pourquoi? Pas pour le mettre mal à l'aise ni quoi que ce soit, mais juste pour comprendre en fait comment il l'analyse, ce qu'il souhaite mettre en place ou ce qu'il a déjà mis en place en fait pour régler tout ça. Et donc on creuse pas mal là-dessus. Donc en tout cas, petit tip, c'est effectivement arriver à pitcher un peu ses échecs et comprendre ce qu'on en a retiré. Voilà, c'est ce que je conseillerais effectivement. Et une petite question que j'aime bien poser, c'est qu'est-ce qu'on attend d'un manager? Qu'est-ce que tu attends d'un manager? Ça en dit long. Souvent sur les personnes, sur ce côté entrepreneuriat aussi qu'ils peuvent avoir. Moi, j'aime bien cette question parce que voilà, dans ce côté fit aussi, moi, je sais ce que j'attends. Mais voilà, en tout cas, de voir ce que les candidats peuvent attendre de leur propre management, ça en dit long sur pas mal de choses, agilité, remise en question, etc. Donc ça aussi, ça peut être une question à préparer avec attention. Quel est le dress code chez JobTeaser? Ben, en fait, pour l'entretien, en tout cas, comment est-ce qu'on vient habiller? Alors, c'est pas forcément du costume cravate, voilà. Après, non, juste, on teste la capacité à bien être propre sur soi et juste renvoyer l'image du sérieux JobTeaser chez le client. Donc, voilà, juste être en conformité avec cet esprit-là, tout simplement. Vous demandez de l'aide de motivation? Alors, honnêtement, pas forcément. Ok. Pas forcément. Non, on veut vraiment le CV, quelques lignes aussi de présentation. Pour se présenter, dire un peu pourquoi on a envie de rejoindre JobTeaser. Peut-être de manière un peu plus informelle qu'une lettre de motivation. De toute façon, ça aussi, on va bien le tester en entretien. Pourquoi JobTeaser? Enfin voilà, ça paraît tout con, mais voilà, on veut pas forcément des gens qui cherchent voilà juste être dans une start-up, juste être un peu dans l'IT, dans la data. Voilà, c'est pourquoi, et donc ça potentiellement dans un petit mot, quand ils postulent à l'offre, ça peut faire la différence. Et un dernier mot sur les prochaines innovations chez JobTeaser. Alors ouais, hyper important parce qu'on en parle beaucoup en entretien et nous ça nous tient à cœur. Voilà, on ne fait pas juste du recrutement aussi. Là, il y a 2 ans, on a embauché donc, Jérémy Lamry, qui est le fondateur du Lab RH, qui est vraiment expert sur l'innovation RH, etc., pour créer un pôle R&D chez JobTeaser. Donc, on a des ingénieurs cogniticiens, etc., qui viennent réfléchir à l'orientation, puisque finalement, en pluguant ces petites plateformes carrière, la mission de JobTeaser, c'était permettre aux jeunes de mieux s'orienter, d'avoir du contenu pour prendre la bonne décision. Et du coup, on veut aller encore plus loin que ça. C'est tous ces jeunes qui sont perdus, qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire, on va les aider. Donc, on crée des tests de personnalité. Donc, il y a Marco qui est sorti d'ailleurs, qui est consultable et que les candidats peuvent faire. D'ailleurs, ça pourrait être un très bon effet waouh, ça, qu'un candidat ait fait Marco avant de venir à son entretien. Avec ses résultats Marco, effectivement. Clairement. Voilà, il y a des nouveaux produits qui sont faits, puisque aujourd'hui, le marché change, même pour nos clients, ils ont vachement de mal dans la guerre des talents. Donc, nous, on essaye de vraiment créer des produits, par exemple Shortlist, qui est un de nos derniers produits, qu'ils soient plus efficaces et pour se démarquer encore plus de nos concurrents. Il y a tout un tas de projets, d'accompagnement de nos clients, créer un lab JobTeaser, un skill lab. Tout ça, en tout cas, le but, c'est d'innover sur nos outils, sur nos approches,
Et l'avantage, c'est qu'on a un pôle R&D en intègre, enfin chez nous, pour ça, en interne directement. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est la force de Jobteaser. Moi, personnellement, c'est ce qui m'a convaincu clairement en arrivant, c'est que on a un business model qui est top, qui est super malin en fait. Hein, le fait d'être dans toutes les écoles, ça nous assure une énorme audience en fait aujourd'hui. Je pense que j'aime bien moi l'approche de Jobteaser, elle est assez rationnelle, c'est-à-dire qu'on a sécurisé un peu ce business model pendant pas mal d'années. Et là maintenant en fait on va pouvoir effectivement plus se coller à notre vraie mission, qui est l'orientation des jeunes talents, faire en sorte que juste ils s'épanouissent et soient heureux dans le monde et qu'ils en fassent bénéficier la société, en fait, tout simplement. Ça peut paraître un peu business, mais clairement, c'est ce pourquoi on se bat un peu tous les jours, même côté sales, évidemment. Donc voilà, aujourd'hui, on va pouvoir développer un peu des choses vraiment autour de ça, autour de l'orientation, autour de la connaissance de soi, autour de la connaissance du marché. Voilà, l'idée, c'est qu'on développe des choses autour le Tinder de l'emploi, qu'on développe des choses aussi sur tout ce qui est sciences cognitives, voilà, parce qu'on sait que ce sera des enjeux qui seront clés demain sur le secteur de la RH. Donc on veut vraiment faire partie des pionniers sur ces problématiques-là. Ouais. Okay. Bon, il va nous rester 3 minutes ensemble, à vous de les convaincre une dernière fois de vous rejoindre. Vous êtes prêts ? On voit ça dans la dernière partie. Alors, votre dernier mot, pourquoi vous rejoindre ? Pourquoi nous rejoindre ? Bah, déjà, nous, ce qu'on entend beaucoup et ce qu'on voit beaucoup de la nouvelle génération, c'est que c'est des personnes qui cherchent du sens. Et du sens, on en a à tous les niveaux chez Jobteaser. On adresse vraiment aujourd'hui un sujet qui est l'orientation, qui est phare, qui est universel, aussi bien pour les bacs plus 4, 5 aujourd'hui qu'on adresse, mais ça va être les lycéens, ça sera les plus expérimentés, etc. Et donc voilà, moi je trouve, et c'est ma vision du métier, mais quand on est sales, effectivement, le but c'est d'aller chercher des nouveaux clients, des nouveaux contrats, développer un périmètre, un portefeuille, mais c'est encore mieux si on le fait pour la bonne cause. Et aujourd'hui, voilà, Jobteaser, la mission, elle est établie et je pense que c'est pour ça que, en tout cas, toutes les personnes chez nous ont rejoint Jobteaser. Et en plus, dans un environnement hyper stimulant, où on apprend très vite, on a des personnes dans l'équipe qui ont 6 mois de boîte et franchement, je pense qu'elles peuvent se revendre sur le marché comme si elles avaient 2 ans d'expérience, avec une super ambiance parce que, franchement, la vie interne chez Jobteaser est juste ouf, entre les soirées, les séminaires, etc. Voilà, je pense qu'on a tout, en tout cas, pour attirer des vraiment bons candidats. Ouais, clairement. Et puis, au-delà de cet impact-là, parce que c'est vraiment une notion d'impact, en fait, hein, tu mets en avant l'impact qu'on peut avoir pour notre société. Voilà, il y a le fait que c'est une super école et c'est un environnement qui est tellement intéressant, en fait. Enfin, moi, je suis arrivé, on était une soixantaine, on est quasiment 300 aujourd'hui en 2 ans et demi, 3 ans. Donc, ça, c'est en pleine explosion. Je pense que ça devient une référence clairement sur le marché aujourd'hui. Ben, on l'a vu, il y a le Next 40, le label French Tech, le fait aussi que nos différentes levées de fonds, même si bon, à mon sens c'est super important, mais il n'y a pas que ça. Toujours est-il que voilà, cet environnement est ultra stimulant, c'est une expérience de dingue. Et ça se ressent, je pense qu'aujourd'hui, nous on est très sollicités à l'externe. Je pense que l'aura de Jobteaser, et notamment l'aura de l'équipe sales de Jobteaser, commence à bien prendre. Et donc c'est tout simplement rejoindre un peu cette aventure et faire partie de ce truc assez, assez fort. Alors, chez vous, si vous en convaincu, vous pouvez postuler sur jobteaser.com. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été là. Merci, Louisa. Merci, Louisa. Et chez vous, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live.